E ainda falando de futebol internacional, a gente vai acionar agora os nossos enviados do projeto O Outro Lado da Bola, Jonas Campos e José Paes, chegam no Gazeta Esportiva com o terceiro episódio da série especial sobre a evolução do futebol na Bélgica. No capítulo de hoje, você vai conferir um bate-papo exclusivo com Mark Wilmots, maior artilheiro da história da seleção belga em Copas do Mundo com 5 gols. Ele criticou alguns métodos usados para a formação de atletas na Bélgica e ele chamou para si um pouco da responsabilidade pelo sucesso da atual geração de craques do país. Veja. Yes. Japan, Tunisia, Russia, and Brazil. 4 goals. Garde à toi, si tu t'aimes, garde à moi, si je m'aime, garde à nous. Les sourires en plastique sont souvent des coups d'hashtag. En garde à toi. Ah les amis, les potes ou les followers, vous faites erreur, vous avez juste la cote. En garde à toi, si tu t'aimes, garde à moi. Si je m'aime, garde à nous. Chegamos enfim, hein, Jonão? Chegamos, é, depois de mais ou menos uma hora, aqui estamos no sul da Bélgica, município de Gingelon. Isso aí, distrito de Hasselt, ao sul da Bélgica, um lugar bem bonito, passarinhos cantando. Exatamente. E a morada de Mark Wilmots. E a casa do Mark e atrás Wilmots, da gente. Nosso entrevistado, ex-jogador e capitão da seleção belga, inclusive técnico dessa seleção na última Copa do Mundo do Brasil em 2014. Foi até senador, né? Foi até senador, eleito com mais de 100 mil votos aqui na Bélgica. Vamos entrar porque o cara já tá esperando a gente. Bora. Bora. Il voudra toujours, toujours, toujours plus de choix. Voulez-vous des sentiments tomber du camion? L'offrez là de moi. Vai passar as perguntas aí? Vamos. Eu acho que tem que começar daqui, ó. Tem que começar amaciando, porque o cara é polêmico. Tem que começar daqui, ó. Qual o tamanho da evolução do futebol belga nos últimos anos? Boa, nosso objetivo de estudo é futebol belga. Começa tranquilo. Começa tranquilo. Tu sais, l'évolution, c'est grâce à ces joueurs qui partent à l'étranger. Puis c'est une étape qui s'est mise en place. C'est à partir de 2009 où Dick Advocaat a repris la sélection. Il m'a appelé pour être adjoint. Donc j'ai eu la chance d'être adjoint pendant 3 ans. Et c'est tout un enchaînement de choses qui s'est mis en place. D'abord les clubs qui ont fait des centres de formation dans les grands clubs. Donc ça veut dire que la jeunesse a été privilégiée. La fédération n'est pas responsable de ça. Ce sont les clubs qui sont responsables. Il faut redonner les choses justes. La fédération, comme moi j'étais entraîneur, je profite du travail des clubs et je sélectionne les joueurs. Mais où est-ce que le club travaille tout le temps? Je pense que les joueurs sont tout le temps dans les clubs. Donc nous, à part les avoir 7-8 jours, mais sur 7-8 jours, tu ne sais pas. Tu peux expliquer aux gens la philosophie de la fédération, mais si les clubs disent « nous, on ne suit pas ça, on fait autrement », tu n'as rien à dire. A gente pode ir pro lado, experiência dele como jogador, treinador, a vivência dele na seleção belga e o que ele viu de evolução todo esse período. Quand j'ai repris l'équipe nationale comme entraîneur principal, on était 53e mondial. À partir de 3 ans, on est devenu premier mondial. Donc, l'écho, le choc qui s'est passé et la confiance qui est venue avec d'une équipe nationale qui osait. En Belgique, on voulait toujours défendre. On n'osait pas. Bon, moi, j'ai changé cette mentalité-là. Moi, je veux défendre en avançant et je vais chercher l'adversaire. Mais ça, c'est une philosophie. Personne n'a raison, personne n'a tort. C'est uniquement une philosophie. Et on a mis cette philosophie en place. Et moi, je l'ai imposé et on a pris 28 points sur 30 pendant 2 ans. On s'est qualifié, on a fait une Coupe du Monde, mais j'ai privilégié, moi, la jeunesse. Ça veut dire que c'était à la Coupe du Monde au Brésil, en 2014, c'était l'équipe la plus jeune, avec les Ghana, je pense. Mais en mettant l'équipe la plus jeune, on lui donne déjà l'expérience d'un tournoi. Et ça, c'est très important. Comment tu peux aller à un premier tournoi? Le stress que ça engendre. D'ailleurs, moi, j'ai disputé 4 Coupes du Monde. Et les 2 premières n'étaient pas bonnes. Parce que je voulais trop réaliser moi-même les efforts. Tu vois? Et après, tu apprends avec le temps. Ça s'appelle le bagage et l'expérience. Comment vous voyez le travail des clubs, l'éducation intégrée au foot, avec le foot? Comment vous voyez ça? Mais disons que la difficulté, c'est souvent l'école.
parce que les gamins sont à l'école de 8h30 jusqu'à 16h et on ne peut faire que des entraînements à 18h. Donc ils ont 4 entraînements. Donc le modèle allemand est différent parce qu'ils arrêtent à midi. Et tout ça, c'est une question politique. De se dire, est-ce qu'on fait vraiment de la formation? Il faut séparer le sport et le sport de haut niveau. Il faut donner la chance et les arguments aller à beaucoup de jeunes pour pouvoir le faire. Mais la difficulté, c'est le club, l'école et puis le repos aussi. Les gamins doivent étudier. Donc le football, c'est très aléatoire. Combien de gamins vont réussir sur 1000? Donc moi aussi, je suis de l'avis que l'école, c'est le plus important. Mais il faut essayer de leur donner les bases pour qu'ils puissent quand même, à un certain moment, 16-17 ans, peut-être évoluer vers une carrière professionnelle. 4-3-3, système tactique implémentado comme padrão aqui na Bélgica, para estimular o jogo ofensivo, vale a pena citar isso com ele. Ça, c'est un concept. Mais si tu n'as pas les joueurs pour jouer en 4-3-3, par exemple, bon, moi je suis d'accord avec des choses et je ne suis pas d'accord sur d'autres. Ça veut dire que rester sur un système qui est borné 4-3-3, l'Ajax l'a fait un certain temps, mais quand les joueurs partaient de l'Ajax, ils étaient perdus dans un autre système. Donc ça veut dire qu'à partir des qualités spécifiques du joueur, on lui dit tu peux jouer extérieur gauche ou extérieur droit. Alors il faut obliger tous les clubs de jouer 4-3-3. Parce que si les clubs ne veulent pas jouer 4-3-3, si tu n'as pas les joueurs pour jouer un 4-3-3, ben tu ne joues pas en 4-3-3. Il faut être assez flexible. Moi, sincèrement, ça me fait rire. Les gens qui disent « si on perd, c'est pas grave ». Ah si, c'est grave de perdre. Je suis désolé. Oui, mais il faut le former. Non. Tu le formes à l'entraînement, mais en match, ça doit être la guerre. Donc là, il faut bien voir, différencier l'entraînement individuel, comme un latéral qui doit toujours travailler ses centres, ses centres, ses centres, mais en match, c'est la gagne. Maintenant, attention, il faut tout remettre. Tu as les 6 ans, les 10 ans, les 12 ans, les 14 ans. Chaque génération a des paliers à passer. Mais à partir de 12 ans, pour moi, c'est plus... Il faut évidemment former, mais c'est la gagne qui doit être dedans. Le système de jeu, la tactique, la stratégie. Et puis à l'entraînement, on peut individualiser tout ça. O Wilmots tem uma história na Bélgica, 4 Copas do Mundo, tem todo um trabalho também sério com futebol, experiência. É um cara também muito direto, né? Às vezes até polêmico. E claro que não existe milagre, existe um trabalho feito a partir da base, não é só tecnologia, não é só um programa de computador, é todo um conjunto. E esse conjunto de fatores coloca a Bélgica como uma das favoritas para a Copa do Mundo de 2018, assim como era uma das favoritas em 2014, e como já foi uma das favoritas também no passado, né? E a Bélgica nunca conseguiu chegar. A geração agora é muito boa, fruto de um trabalho feito na base, mas nem por isso também deixa de passar por escândalos. Surgiu hoje a informação de que o Courtois, né? O Courtois é acusado de vender informações da seleção belga na Eurocopa. Veja só a situação. Um espião no próprio país. Na verdade, todo mundo esquece que todos nós vivemos sob o mesmo regime, né? E é o regime do capital, né? E o regime do capital é o que conta muito, uma das falhas é a corrupção. Então muita gente se corrompe. O próprio Platini chegou a ser exorcizado da FIFA por corrupção. Quer dizer, o Platini foi um grande jogador. Então, esse negócio de falar, ah, não, aqui tem, mas lá não tem, é mentira, porque tem também. É, o goleiro Courtois foi acusado pelo ex-treinador dele, pelo Mark Wilmots, que é o ex-técnico da Bélgica e comandante do time belga na Copa de 2014, que você viu aí na entrevista. Ele vendia informações, dava as informações para o pai dele horas antes das partidas.